Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et donc, chers amis, cette fois-ci nous allons partir dans une direction complètement inconnue. Nous allons retourner donc à Rivet City. Il me semble qu'on avait différentes quêtes. De toute façon, on avait aidé les dissidents, étrangers à ce monde. D'accord, dans Pit, la sève vers lequel enquêter sur le bateau. Voler l'indépendance. Voler l'indépendance, ça pourrait être sympa, mais je ne me rappelle plus où est-ce qu'il fallait la chercher. Enfin, je me rappelle où est-ce qu'il fallait chercher, mais je me rappelle pas comment il fallait la chercher, je crois que c'était par une quête. Donc on va l'écouter, on va avancer un petit peu dans la quête principale, on va bien voir parce que ça va nous mener. On va donc se téléporter à Rivet City, on va pas s'embêter. Hop, voilà, Rivet City, c'est parti. Et nous reprenons l'aventure principale. Donc j'ai tourné ce matin donc une vidéo information qui vous arrivera donc, ou qui vous sera arrivée donc très rapidement. J'attendrai toujours vos avis dessus. Je ne vous spoil pas, ne sachant pas trop si elle est arrivée ou non. Je tiens à vous rappeler que votre avis compte, chers amis, quand même, hein. C'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos informations. Apparemment, ce sera plus de ce côté-là. Hop, bonjour l'ami. Point intermédiaire, ça doit être par là, non? C'était par là. Et donc, on va se rendre au labo scientifique, retrouver notre papa. Papa! Papa! Je t'ai dit que ça marcherait, Madison. Et maintenant, oui, il y avait lui aussi, je peux là. Le prouver. James, te revoilà. Et avec de bonnes nouvelles. J'avais raison au sujet de Brown et du Jack. Tu trompes maman? Si on peut en trouver un. Faire les poches de papa. On pourra l'adapter au purificateur. Ah. J'aimerais te croire, James. J'aimerais vraiment. Mais c'est tellement... tellement soudain. Madison, je te dis que c'est bon. J'ai parlé à Brown lui-même. Il l'a confirmé. Pas me cacher derrière lui, par contre, c'est une grosse conversation. C'est ce que nous attendions. Je ne sais pas, James. Tant d'années ont passé. Est-ce que ça vaut encore la peine d'essayer? Comment cela ne pourrait-il pas améliorer la vie des habitants des terres désolées? Quelle entreprise serait plus utile? Bon, bref, papa. Nous devons relancer le projet Pureté. L'ordinateur qui est là-bas est notre meilleure chance de localiser un Jack. Tu y es allé maintenant, ça ne peut pas attendre. J'ai enfin l'occasion, au bout de 20 longues années, de terminer ce que j'ai commencé il y a 6 ans. Tu m'étonnes. Je le dois à Madison. Je le dois à ta mère. Non, ça ne peut pas attendre. Très bien, en route. Je serai content de... Il vous fallait quelque chose? J'aimerais ne pas être détecté, en fait. Tu vas me parler, toi, tous les coups? Vous, là, vous travaillez au labo? Non, vous avez l'air plus... effrayé. Mon apparence vous pose un problème? C'est amusant. Vous avez pris ma métaphore pour une remarque désobligeante. Il me faut quelqu'un du cru, vous voyez? J'ai égaré un bien... Un objet carré... Alors, allons-en, en fait, Zimmer. C'est quoi, ce boulot? Vous allez chercher un... Oh. Mensonge, l'endroit des morts, ça, c'est un décomposant. L'androïde est mort. Quoi? Montrez-moi ça. C'est un neurocerveau spécifique à l'A321. Et vous dites que vous avez trouvé ça sur son cadavre? Je suppose que vous n'auriez pas pu vous le procurer autrement. Eh bien, c'est l'issue que je craignais dans ces terres désolées. Bon, voilà 50 capsules. Oh putain, le salaud. Tâchez de vous instruire et de quitter ce trou perdu. Bonne journée. J'annonce, tu as les composants d'Android sur toi. Clé de Zimmer. Je l'aurais bien prise. L'homme impliqué qui est achevé. Bon bah écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire. Salut. Tant pis. Par contre, papa s'est enfui. Et moi, pendant ce temps-là, il y a papa qui s'est enfoui. Les eaux de vie, rejoindre les scientifiques. Ah. Arcanine, il ne peut pas y aller. What, vous êtes vous tous là? Salut mon gars. Highway to Salut. The... Bon, où quelle est la porte? L'office a lieu chaque dimanche matin. J'espère vous y voir.
Tout a l'air en ordre ici. Clé de hangar. J'ai toujours détecté. Ah, j'ai la lumière, non? Non, je l'avais pas pourtant. Je croyais que je l'avais. Hop, porte vers River City. Tout va bien? Allons-y. Jefferson Memorial, bonjour! Ah, je me dis qu'il faut que j'attende papa. On va donc attendre une douzaine d'heures plutôt. Pour avoir le bonus, je pense que c'est 12, si je me trompe pas. Et on verra ensuite quand il sera arrivé. Ranger notre arme très très vite. Garza. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour le projet pureté, mais je serais content d'aider le docteur Lee au mieux de mes capacités. C'est couillu. J'aurais mieux d'y aller. Il vous fallait quelque chose? Bon, elle va me voir. Si vous avez besoin de quelque chose de précis, dites. J'aurais mieux d'y aller. Certaines personnes sont vraiment pressées. Salut. Salut. Pourquoi pas? Salut. Nous ne pouvons rien faire avant d'être à l'intérieur. D'accord. Mais aucun de nous n'est un combattant d'élite. Moi si. Je n'aime pas te demander de prendre des risques. Mais tu as l'air d'avoir appris à te débrouiller. Oh là là, t'as pas idée. Il faut que tu entres pour t'assurer que c'est sans danger pour le docteur Lee et son équipe. Bien sûr, je reviens tout de suite. Prudence et merde de sûreté, oui je sais. Bon, on va dans un endroit clos, du coup je sors le shotgun. Hop, on y va chers amis. Crac. Voilà qui met dans l'ambiance. Alors. Attendons. Hop. Un instant. Heureux, chers amis. Donc, en espérant que cette fois-ci, on va pas être dérangé. Une brute en plus, j'avais pas fait gaffe. Bim! 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 C'est mieux quand on sait viser! Ça met dans l'ambiance quand on rencontre une brute dès le début quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci. Bon. Oh la vache, il y en a là-bas. Ah, attendez. Peut-être que si je redésigne les trucs. Continued. Non, c'est pas ça. Convinced. C'est pas ça. Contained. C'est pas ça. Certainly. C'était ça. Bien joué, chers amis. On est trop fort. Alors, j'imagine que c'est des tourelles. Hop, c'est parti. Normalement, elles vont se mettre à tirer n'importe comment. Non ? Bon. Écoutez, on va les désactiver maintenant. Mince, non, je me suis trompé. Voilà. Désactivation. Ok. Allons voir. Aurait-il été tué par une tourelle? Pas l'impression pourtant. Fusil d'assaut, je vais prendre. Une ventouse dans le coffre. Ça me semble très très logique. Hop. Hop.
petite sauvegarde rapide. Reprendre le shotgun. Hop. What? Voilà. Non. Voilà. Ça c'est fait. Bim. Il n'y avait rien sur le senteur, c'est dommage. Mais bon, on s'est bien occupé de lui. C'est dingue, c'est qu'on se rend compte que c'est là qu'ils vont être en fait. Ils peuvent être que là, ensuite. Pas de surprise quoi. Pourquoi prudence? Il y en a un qui va arriver juste là. Ouais, c'était rien. Mince, il m'a vu. En tout cas, il m'a senti. Et les jeux. Blah. Ferme ta bouche. Ouais, une grenade de temps en temps, ça peut être cool aussi. Une grenade de temps en temps, ça peut être cool. Une réponse à l'interphone. Pourquoi pas? Bon, on a vu des portes partout cependant, donc on va aller faire un tour dans ces portes. La rotonde. Ouh. Du coca. Il y a les franco. Rotonde. Bon bah écoutez, on va aller voir la rotonde. Ce que c'est. Oh. Essaye de passer de ça maintenant. Personne ne pourra nous arrêter. T'es mort, les bétons. Bon. Le musée maintenant. Non, c'est pas le musée. Rotonde. Bah, c'est pas de là que je viens. Non, apparemment c'est pas de là que je viens. Si. Sous-sol. Bah, c'est de là que je viens, mais c'est pas logique. Regardez, je pensais de porte là et en fait elle est en face de l'autre. C'est pas logique du tout. Aïe. Fais-les tous. Tu vas... Meurs, charogne. Il avait une super masse, mais... Oh, elle pèse lourd, mais je vais la prendre. Ok, bon. Jusque-là, ça c'est clean. On peut le dire, hein. L'armure défend super bien par contre, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On va aller voir dans les sous-sols maintenant. Vu que de toute façon on va au même endroit dans les deux portes. Ou presque. Oui, c'est pas logique. C'est absolument pas logique. On va aller là. F5 et on y retourne. Apparemment, il y a déjà des ennemis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser des mines et on va les laisser faire le boulot. On doit avoir ce qu'il faut au niveau mine. Mine frag. Je t'entends.
J'aime bien parce qu'ils font style, quoi. Je t'entends. Allez, viens. Viens. Ose approcher. J'entends des bruits. Ça prendra. Non, je suis pas un imposteur. C'est ce qu'il essaie de dire, je crois. Ah là, je me sens vexé. Saleté de bruit. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Son pote meurt et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est saleté de bruit. Si la porte n'est pas alimentée, elle ne s'ouvrira pas. D'accord. Ça met dans l'ambiance. Je préfère parler qu'il y a quelqu'un en bas. Ça va tranquille le gros rush que t'as eu ? Ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va prendre les grenades. Je sais pas où elles sont, par contre. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas les grenades. C'est pas les grenades non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Bon, bah tant pis, on n'a pas les grenades. Faudra revenir les chercher. Oh, ça, ça peut être intéressant, par contre. Il y a pas genre des steam packs un peu partout, un truc comme ça? Projet pureté, entrée 7, entrée 8. Pourquoi pas? Il n'y a pas de steam pack, c'est dommage. Par contre, je vais vraiment récupérer mes grenades. Il me semble que j'en ai un petit paquet, j'en ai 12, voilà, donc c'est bon. Hop. La 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 la. Filé ! Raté ma grenade. Toucher cette fois-ci. Dégagez ! Dégagez ! En fait, elles ont toutes loupé parce que je suis dans la car. Dépêche-toi de mourir. Ah ! Aïe. À couvert ! Bien. Bien joué. Avec un peu de bol, il va exploser sur la première, regardez. Non, même pas. Sur la deuxième. Pourquoi pas. Alors, continuons à descendre. Recommençons à descendre, pardon. Hop, fusil d'assaut, ça ne m'intéresse pas. Les munitions m'intéressent, par contre. Ça, c'est clair. Hop. Les vestiaires vides, je vais éviter de les fouiller, pardon. Ils doivent pas avoir des masses d'armes de toute façon dans ce niveau. Apparemment, il y a des ennemis partout, c'est cool. Oh la vache, maître en plus. Alors, je devrais pas me rater là. Aïe. Voilà, parfait. Juste pour voir, l'eau est pas pure là. L'eau est pas pure. Oh, il avait un fusil d'assaut chinois par contre. Ce qui est super méga cool. Parce que nous-mêmes en avons un chinois. Qui est plus puissant donc que le normal et qui permet aussi surtout de. De comment que ça s'appelle de réparer le nôtre en fait. Tout simplement. Taradix, Radaway. Cartouche, pistolet. Ah! Putain! Meurs, tu m'as foutu les boules. Ah, sale con. Il m'a vraiment foutu les boules. Il est con. Oh, un interphone. Vous pouvez pas utiliser ça maintenant.
S'il me demande d'y retourner après, parce que j'ai fait que. Parce qu'il fallait retourner après une fois qu'on avait fait le haut, ça va pas le faire. Voilà. Ah bah ça va être la chambre de papa. Ça c'est ça, ça va être la chambre du papa. Papa qui a apparemment boit du whisky et du scotch. Papa qui est un trou. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bondour! Oh putain, il m'a foutu les boules, je crois que c'était un éteint, super. Oh, merci de me laisser tranquille! Bah non, parce que maintenant c'est clean. Bah, c'est cool en soi que tout soit clean. Bah, aucune réponse à l'interphone. Vous voyez répondre, bande de salauds? Je vais devoir tout remonter. Bon, on remonte tout. Il y avait quoi dans le coffre? Rien d'intéressant. Purée minute. Boîte de détergent. Boîte de détergent, je vais la virer par contre. Ça va pas le faire. Hop là. Voilà. On progresse correctement, chers amis. Ça ne fut pas si dur que ça, en fait. Je dois l'admettre. Pour des maîtres super mutants, ils sont pas si violents que ça. Et pour ce qui est des tourelles, je ne les ai pas vues. Hein. Autant dire ce qui est. On va boire un coup. Hop, les. Fais du bien par où ça passe. Merci. Mais oui, il y avait des tourelles, soi-disant, mais je ne les ai pas vues. Alors, pas du tout. Je sais pas du tout où elles étaient. Ah oui, mais on n'a pas visité par là. Ah! Non, apparemment, il n'y avait rien. Gris vers contrôle de pompe. Bon. Écoutez, comme on a fini la quête, écoutez, on va remonter, on va aller voir ce qu'ils veulent de plus. Mais ça, chers amis, on le fera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver, comme dans le descriptif de cet épisode, des liens vers mon partenaire GamesPlanet.com. Donc des liens vers donc le Fallout 3 en GOTY. Fallout New Vegas Ultimate Edition et la précommande de Fallout 4. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et yop.